Et bien sûr tout le monde, c'est Mr. B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Death Stranding avec l'épisode 9. C'est parti mon kiki, direction les terres échouées. Et notre moto aussi, parce qu'on avait enfin réussi à alimenter une moto. Et on a donc un nouveau moyen de transport, comme d'habitude, de 60 FPS, un petit truc à boire et à manger. Et surtout, kiffez un maximum. Plongez-vous dans le noir, c'est toujours plus sympa. Allez, on est donc reparti dans notre aventure. Réparer les véhicules. Les véhicules ont une cote de durabilité et seront immobilisés une fois la limite atteinte. En proposant un véhicule dans un garage pour restaurer sa durabilité. Pour cela, garez-le sur le monte-charge prévu à cet effet. Le spray colmatant ne peut pas être utilisé pour restaurer les véhicules. Et vous avez vu, j'ai pris plein de colis, plein de trucs vraiment sympas pour le coup. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je peux vous dire que je suis chargé comme Jaja. Let's go. Alors on va où? On va où? On va où? On va où? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est là où je dois aller tout simplement. C'est moi ou bébé il a l'air heureux là? Bizarre, il pousse des bruits très 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 étranges. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Très bien, il faut comprendre que c'est là. Oh, let's go, c'est là. Ok, moto posée dans l'endroit prévu à cet effet. Doucement. Minute papillon, quand même, s'il vous plaît. Allez, on rend tout cela. On avait 30 minutes. Et après, on va pouvoir, je pense, passer clairement à la suite. Sam. Commencez par faire votre livraison. Ensuite, vous pourrez prendre d'autres commandes. Bah oui, ne t'inquiète pas. Merci de me le dire maintenant quand même, mais bon... alors, on va tout renvoyer. Donc ça, au moins, c'est fait. On va clairement être allégé. Ok, on est bon. On envoie tout. Voilà. Allez, ça dégage. Je veux plus te voir. Je veux plus te voir. Merci pour la livraison. Mais rien, mon pote. Je tiens à dire qu'on apprécie vraiment le mal que vous vous donnez. Tu me dis ça à chaque fois, par contre. Allez, let's go, ça c'est fait, livrer la marchandise perdue, aucun souci. On s'en fiche du briefing puisque c'est ce qu'on a trouvé au sol, donc aucun problème à ce niveau-là. Et je pense qu'on va prendre un petit peu d'XP à mon avis. 2 levels, 3 levels peut-être. On verra un peu plus tard, merci. On était 49. Allez, merci mon bro. Et puis on va livrer le reste évidemment, qui était la quête principale qu'on devait faire très rapidement, livrer la marchandise demandée. C'est parti de toute urgence. Content de vous revoir, Sam Bridges. Toujours un plaisir. Ah, merci pour la livraison. Bien, Sam Bridges a encore frappé. Les cryptobiotes devraient tenir. Merci bien. Eh bien, c'est fait. Allez, régale-moi. Ça, c'est un S. Hein. Parce qu'on a quand même... Ah! Oh non! Là, vous commencez à devenir radin. Ça me plaît pas beaucoup. Capital Relais a fourni les données du nouvel hologramme. Ok, très bien. Nouvelles données d'entretien. Écolocalisation des bébés. Doom, c'est astrologie. Très, très bien. Eh ben, ça monte tout. Ça fait plaisir, ça. Let's go. Allez, niveau 43. Non, on était 39, pardon. Donc j'ai pris 4 levels, c'est plutôt pas trop mal. Bon, soyez prudent. Pas de soucis mon pote. Et c'est pas fini. Quelque chose a changé chez vous. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais je suis sûr que c'est pas mon imagination. La casquette peut-être. C'est très impressionnant ça. Vous avez réussi à relier quasiment toute la région. Mais plus loin vous vous enfoncerez dans l'ouest. Et plus vous vous retrouverez confronté à des échoués. Vous savez... On est toujours à la recherche de nouvelles solutions, d'alternatives plus durables. Et on sait combien votre sang a un effet significatif sur eux. Comme je vous en ai déjà parlé, Mama est en train de plancher sur une arme qui en tire parti. C'est pourquoi on doit à tout prix trouver un moyen d'en produire davantage artificiellement. D'où l'utilité des cryptobiotes. Mais vous aviez sûrement déjà compris. Si tout se passe comme on l'espère, on devrait pouvoir être en mesure de renverser la vapeur. Mais d'abord... L'heure est venue d'intégrer la ville relais portuaire aux UCA. La commande de Die Hardman vous attend sur le terminal de livraison. Au travail. Nouvelle commande disponible. Eh bien, on va prendre sa commande.
Et on va aller s'équiper comme Jaja. Maman vient de me prévenir que son arme anti-échouée était prête à être testée. Des prototypes seront donc ajoutés à votre prochaine cargaison. Une livraison de matériel de secours pour les habitants du relais portuaire. La ville relais portuaire est à bonne distance du territoire des échoués, mais les armes pourraient s'avérer utiles si jamais l'un d'entre eux s'approchait trop. De même, elles permettront aux habitants qui sortent parfois des limites de la ville de pouvoir se défendre. La cargaison comprend aussi un assortiment de médicaments, ainsi que des échantillons de sperme et d'ovules humains. Ces spécimens sont essentiels pour conserver une bonne diversité génétique. Ils ont été fournis par des civils vivant hors des centres démographiques majeurs. En tirant parti des propriétés temporelles du kéralium, on peut garantir de les garder en état aussi longtemps qu'il le faudra. Une fois la cargaison traitée, connectez le Cupidon. Quand ce sera fait, la région tout entière fera partie intégrante du réseau chiral. Ensuite, vous prendrez la direction de la ville relais du lac. Donc votre cargaison comporte aussi du matériel de secours pour ce relais. Évidemment, pour l'atteindre, il vous faudra traverser le lac qui les sépare. Vous aurez plus d'infos dans une deuxième commande que vous accepterez sur place. Ah. Ce sera sans doute la plus longue course que vous aurez faite pour nous jusqu'ici. Vérifiez que vous avez tout ce qu'il vous faut. Ah, ok, donc ils sont clairement en train de me préparer. Ça va swinguer, mon pote. Ça va clairement swinguer. Accepté, hein, pour Sam, évidemment. Très bien, je prends. On n'a pas trop le choix. Ça va donc être le plus long trajet qu'on ait fait jusqu'ici. Ça, c'est une poche de transfusion avec du sang prélevé sur vous. D'accord. Lorsque vous vous en équiperez, elle reconstituera vos réserves. D'accord, si jamais je perds trop de sang, ok, pourquoi pas. Grenade. Sam, c'est la première fois que nous tentons de développer une arme destinée à combattre les échoués. Je n'ai pas eu beaucoup de temps et j'ai dû faire avec les moyens du bord, alors en gros, ce sont des grenades améliorées. Attention cependant, on n'a pas dépassé le stade de la théorie pour le moment, puisqu'elles n'ont encore jamais été testées sur le terrain. Qui sait, avec un peu de chance, vous serez peut-être le premier à tuer un échoué, et ce serait un événement de taille, vous croyez pas? Attention, même si elles fonctionnaient correctement, n'oubliez pas que c'est votre sang qui les alimente. Donc si vous veniez à en abuser, c'est l'anémie qui vous attend. Ah! Et ben on prend. On prend. Très bien. Eh bien écoutez, c'est fait. On a tout sur nous. Let's go. Ok. Ça me fait peur. Monte charge. Durabilité. Ok. Tout prendre sur le dos. Oh damn. Je suis dans une sauce. Alors, attends. Ça. Accroché à la combinaison. Ok. Grenade, c'est fait. Ça. Ok. Poche de sang. Ouais. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Que je sais même pas si je vais en utiliser une déjà, tu vois. Encre d'escalade, on a. Très bien, on est plutôt pas trop mal. Organisé. Grenade, j'en ai une de chaque côté. C'est peut-être un peu trop, non? Allez, dans le casier privé. Ok. Eh ben écoutez, c'est plutôt, je pense, pas trop mal. On a une échelle. Spray colmatant, on en a deux. On se placer dans le casier privé. On est prêt pour un des plus longs voyages, je pense. Et la durabilité de ma moto est un peu critique. Il va falloir que je la récupère très très vite. Je l'ai mis. Est-ce que ça vaut pas le coup entre nous? Ça vaut pas le coup d'aller dans la chambre en vrai? Allez, on va faire l'historique. Vous êtes très nombreux à vouloir voir un peu le ce quatrième mur brisé. On va se laver, d'ailleurs, par la même occasion. Une petite sieste aussi, ça peut être pas mal. Faut prendre son temps, c'est un jeu où faut prendre son temps. Voilà, faut juste apprécier. J'espère d'ailleurs que vous appréciez. Allez, tu mérites. Et ben voilà, vous voyez, on récupère quasi tout.
Le bébé a retrouvé la sérénité, bah voilà. Tout va bien. Ça valait le coup. Bonjour Sam. Collecte de sang terminée. Merci pour votre générosité. Bon, alors apparemment, il faudrait zoomer sur ces parties intimes. Voilà. C'est ça? Objet obtenu dans les chambres privées, vous pouvez reproduire ces nouveaux objets. Comme des poches de sang. D'accord. Encore. Alors que vous vous douchez et que vous vous reposez dans une chambre privée, les objets créés de cette manière seront entreposés dans un casier privé. Très bien, et ben on va utiliser les toilettes et puis on va aussi prendre une douche, comme ça on va être tout propre. C'est bien aussi d'être tout propre, voyons. Allez. Comme ça, ils vont récupérer des éléments. On aura sûrement plus d'objets. Et je pense que j'ai plein de trucs à récupérer aussi dans les casiers. À recycler immédiatement. On verra. Grenade EX numéro 0. Et ben voilà. 3 grenades dans le casier privé. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Ensuite, allez, on va faire un... on va aller sur les toilettes. Oui, on va lâcher un étron, il faut le dire, il y a des choses à dire. Ah non, j'ai mis debout. Bon, à moins de lâcher un étron debout. Ce qui serait compliqué, je vous l'accorde. Voilà. Attends, quoi? Il y a des styles de grenades? Non, mais là, c'est compliqué. Là, les gars, c'est compliqué à chaque fois ce que vous me faites, là. Ça devrait suffire. Content de voir que tout fonctionne comme prévu. Dans la série des nouvelles grenades EX, nous avons aussi la numéro 1. On y a ajouté un autre de vos fluides, puisqu'elle contient un extrait vaporisé élaboré à partir de votre urine. Par rapport à notre premier essai, cette grenade EX renferme une plus forte concentration de vos fluides, pour encore plus d'efficacité contre les échoués. Ah. Chaque fois que vous vous soulagerez dans les toilettes de votre chambre privée, nous récupérerons vos urines et produirons de nouvelles unités. Nous ferons en sorte que vous ayez toujours du stock. D'accord. Eh ben, on va lâcher un étron. Ça va faire quoi? Un tank? Un lance-roquette? Régale-moi. Cool. Allez. Ride. Norman Reedus. AMC. Ah, ça fait de la pub. Sûrement une série. Oh lolo, ça va être une dinguerie, ça. Ça va faire une dinguerie, ça, je te le dis. Hein. Ça, mon pote, ça va être dingue. Dernier modèle de notre gamme de grenades EX, je vous présente la numéro 2. Après vos urines, vos selles. Ce modèle contient en effet divers composants raffinés extraits de vos excréments. Nous pensons que votre consommation régulière de cryptobiotes fait que vous excrétez des composants particulièrement efficaces contre les échoués. Si vous souhaitez qu'on en produise davantage, il faudra nous fournir les matières premières nécessaires via les toilettes de votre chambre privée. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et ben voilà, on peut y aller. Quitter la chambre privée. On se casse, c'est fait. On a des nouvelles grenades, 3 types de grenades. Douche, pipi et caca. Et donc les caca, ça a l'air d'être des grenades divines, si je puis me permettre. On va récupérer notre moto, évidemment. Attends, il y a un truc qui me fait peur là, qu'est-ce que c'est que ça? Station à l'ouest du Capitaine Relais, 1200. Lieu, Camp Mule à l'ouest, très bien. 3000. Ville relais portuaire. C'est là où je dois aller. 3,5 km, ça va être très très long. Accepter les commandes. Commande pour Sam. Oh, il reste encore quelque chose. Oh. Ok. Oh, bah on prend tout, hein. On prend tout. Non, besoin de rien en vrai. Besoin de rien, on est bon, on a tout ce qu'il faut. Allez, récupérer le véhicule.
Il a récupéré toute sa durabilité. Oh, il est devenu trop classe. Incroyable. Ok, provisions. Aïe, 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 aïe. Ok. Allez, go. Je sais pas du tout ce que ça va donner, ça va être terrible. Ah, t'as oublié ta casquette. Oh, qu'est-ce que... Ah ouais, putain. Ça tient même pas. Ok. Ah. Et ben voilà. Bon. Allez, vu que je suis chargé comme Jaja, on va tout simplement tout réorganiser. Hop, voilà, pied sur croix. Et on va faire un plan d'attaque. Très bien. Se rendre à la zone des échoués. Alors, on a plusieurs quêtes qui vont être fort problématiques. Très bien. 50 000. Ça, il faut que je la fasse. Et ça, il faut que je la fasse. Commande 14. Mais on a la commande 15 juste à côté. Très bien. Ok. Allez, on va essayer. On va essayer, c'est juste à côté. Je sais pas trop ce que ça va demander. Mais on doit le faire. Pour être un petit peu plus tranquille. Oh, on peut sauter, trop bien. Sam, on dirait que vous avez encore pas mal d'autres commandes à gérer. N'oubliez pas, une fois que vous serez arrivé à la ville relais portuaire, vous traverserez le lac. Alors c'est à vous de faire en sorte d'avoir bien fait toutes vos livraisons avant. Jetez un coup d'œil à votre carte pour réfléchir au moyen le plus efficace de rallier tous les endroits où vous devez aller. Attends, attends, c'est la merde, hein. C'est la merde, hein. Merci mon gros. Ok. On va passer par là, calmement. Ok, juste ici, on a déjà quelque chose. Parce qu'il y a des échoués. On était déjà rentré dans cette zone, souvenez-vous, épisode 1 ou 2, je crois. Hop, cascade. Voilà. On va se caler là. Allez, let's go. Alors, comment on va faire? De toute évidence, grenade, ce n'est point là. De toute évidence, grenade, c'est ici. Fais pas le con. Ok. On était venu hein, ici, hein, souvenez-vous. Et ben on va y retourner. Putain, ça esquinte mes caisses en plus. Va falloir que je fasse vite pour le coup. Qu'est-ce qu'on a là? Se rendre à la zone. Très bien, c'est fait. Très bien. Hop, on fait genre... Attends, c'est elle ou pas? Mais non, mais c'était un spray. C'est ça qu'il faut prendre. Ok. Gardez votre cam, s'il vous plaît, que tout le monde garde son cam. Ok. Très bien.
Ok, ouvrez la TH avec l'équipement, sélectionnez les grenades, utilisez L2 pour préparer une grenade, R2 pour la lancer, puis maintenez R2 avant de la relâcher. Bon, la grenade ira donc plus loin. Donc je suppose que je dois aller... près de l'échouer. Très sombre ça. Ok. Très bien, vaincre un échoué. Incroyable. C'est génial. J'ai tout de suite moins un peur. Non, 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 non. Ok. Ok. Phase suivante, s'il vous plaît. Recycler les cristaux au centre de distribution. Attendez. Je le vois pas. Hein. Putain que je le vois pas. Hein. Ok. Ça on prend. Normalement on peut se casser. On peut se casser. Tout est bien. Qui finit bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste réapprendre en fait, tout simplement. C'est bon, on s'en est sorti comme des chefs. Incroyable. À l'ouest de la capitale relais. Alors ça, va falloir voir un petit peu où ça peut être. On va récupérer notre moto. Voilà, aucun souci. Allez. Tu peux te reposer, tu mérites. On va récupérer notre moto et on va se casser de cette pluie. Qui est fort embêtante. Ah là, il commence à faire plus... Ça fait moins peur, hein. Ah bah maintenant qu'on a des grenades... Je me dis, on va pouvoir faire quelque chose. Ok. Alors, il est temps de regarder un petit peu la nouvelle commande. Commande numéro 12, document confidentiel récupération. Très bien, document confidentiel aussi. À l'ouest, capitale relais, c'est ici alors. Commande 15, c'est totalement là, très bien. On y va, on va pouvoir rendre cette commande et passer à la commande 14, la ville portuaire. A savoir qu'on n'est pas obligé de faire, je pense, toutes les quêtes. On va essayer de tracer un petit peu tout de même. Mais disons pas des bonnes choses. Ok, let's go, Sam, tu t'en bats la roue. Tout ça pour faire ça. Ok. Alors. Par où allons-nous? On va passer par là. Un petit peu d'énergie. Ok, bah écoutez, on va prendre le chemin le plus cocasse, si je puis me permettre. Et on verra ce que ça donne. Let's go, j'ai pas peur. Normalement, ça devrait être... Ça devrait passer là, je pense que ça devrait passer. C'est vrai qu'on avait fait un petit peu de freestyle. Mais ça devrait le faire sans trop de problème. T'as encore la pêche? T'as encore la pêche? Bah ça tombe bien. On est parti. Pardon? Oh non! Oh non! Quel est cet enfer? Ah! Très bien. Eh ben, on va directement switcher.
sur la ville qui nous intéresse. A tout de suite tout le monde, on va rendre la commande numéro 15. Je sais que ça vous intéresse pas spécialement de me voir galérer en moto, et je peux comprendre. Ok, alors comme vous pouvez le voir, j'ai ramassé un putain de colis XL, sa mère. Et ma moto, elle va pas tarder à canner à mon avis. Incroyable. Oh, je sais pas. Attends, là je prends des risques, hein. Là, attendez, je prends des risques de ouf. Ok, on a l'air d'être bientôt arrivé en vrai. J'y crois. J'ai ramassé un colis XL, mais lui, à mon avis, il va valoir des lovés sales. J'ai confiance. Allez, régale-moi, s'il te plaît. Tu peux le faire. Tu peux le faire, putain. Tu peux le faire. Et on va te réparer. Après, on va dans la chambre. On va dormir, bordel. Allez, c'est pour toi, Sam. Résiste pour que t'existes. Ok. Allez, let's go. C'est bon, tu vas le faire, Sam. Tu vas le faire, bordel. Ok. Ok. C'est pas facile, mais bon. C'est comme ça que cet épisode 9 se terminera. On peut le faire. Allez. Tous ensemble avec Emmanuel. Check ça. Oh putain. On y est presque. Let's go. On va pouvoir rendre tout cela. Faire livraison. Livrer la marchandise perdue, évidemment. Et ben on va livrer ça. Voilà, ça sera déjà pas mal. On va pouvoir aussi recycler tout ce qui est résine. Ah, c'était ça l'XL en plus, hein. Oh la vache. Allez, il doit être content, hein. Ça, ça rapporte du niveau, mon pote, hein. La légende est de retour. Ouais, c'est vrai. Comment ça va, Sam? Ouais, je suis jamais rentré. Vous essayez de nous faire honte à tous. Moi, ça me va. Allez, dégage, je peux te voir. Ok. Ça, par contre, ça, c'est du lourd, ça, non? Littéralement, c'est du très très lourd, même. Ok, je vais bientôt pouvoir porter encore plus gros, c'est bon, ça. Au revoir, Sam. Allez, dégage. Je vais plus te voir. Ok, bon, ça c'est fait. C'est pas terminé. Recycler, évidemment. Recycler des cristaux. La quantité... Que par 100? Bon, au moins, on a fait la mission, tu vas bien. Quand même. Autant tout recycler, non? Tiens, vous revoilà. Vous essayez de nous faire honte à tous. Moi, ça me va. T'as dit la même chose il y a 2 minutes. T'as dit la même chose il y a 2 minutes. Allez, mission complete, rang S, incroyable. Oh là là, bientôt 5 étoiles, il va me kiffer. Il va me kiffer, mon petit pote. Ça, c'est moi qui te le dis, hein. D'hiver, c'est fait. Au revoir, ça. Allez, salut, mon pote. Je vais plus te voir, même si on se dit au revoir très souvent en ce moment. Ok, c'est pas terminé. Si, c'est terminé, je crois. Accepter des commandes, récupérer des matériaux... Non, on est d'accord, j'ai eu peur, j'ai eu un petit moment de doute. Où est le problème, là, en fait? Je veux juste recycler, moi, hein. Ah, ça dégage. Allez, et eh oui, c'est moi, je suis toujours morte dans d'atroces souffrances et brûlées par mon propre fils. Eh bien, bien. On peut personnaliser le véhicule et tout, c'est incroyable, ça. Allez, entreposer le véhicule, ça dégage, hop, il est dans le garage. Entreposage du véhicule. Comme ça, il va récupérer une petite forme, si tu vois ce que je veux dire. On va avoir 2 km à faire parce que direction la ville. Merci portuaire. Et c'est un bordel tout ce que j'ai sur moi. Pas si on va s'en sortir. On va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Prochain épisode qui sera l'épisode 10. On aura une très très grosse mission à porter à la ville portuaire ici. Et elle est extrêmement loin. Ça va être terrible. La commande numéro 14. Donc là, on va en baver. Il y aura forcément des échoués. J'ai hâte qu'on en prenne plein la gueule, bordel. Allez, tracé itinéraire. D'accord, c'est comme ça, on pourra placer divers points. Très bien. On fera ça lors de l'épisode 10. On essaiera de faire les 2000 mètres lors de l'épisode 10.
À très bientôt, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Ciao ciao tout le monde.